Pour moi, c'est un film tragicomique. Nous sommes militaires. Le militaire analyse les faits. Et c'est à partir de faire ça pour faire une conviction de qui ça que ça. Et à partir de là, qu'il vient pour réagir. Relé n'importe qui officier à travers le monde dans quelques services que la patrie a fait exactement la même analyse avec. Qui s'est passé? On est le 16 octobre. Nous levons avec information que kidnappé 16 Américains et un citoyen canadien. Très bien. Nous savons que les Américains ont sur place en Haïti des structures de renseignement extrêmement efficaces et qui travaillent en permanence. Dès lors que ça arrivait, ils ont rentré en action. Mais vous voyez, bah, le 17, donc le lendemain, ils ont équipe de support du FBI pour travailler sur question. Du 17 octobre au 26 octobre, au grand total cover-up. Par exemple, il n'y a aucune information qui sortit sur ça. Pendant 10 jours, je suis capable de dire qu'il y a des structures qui m'avaient contacté et qui demandaient mon advisor et opinion sur qui j'en pourrais procéder. Moi, je dis, ok, je suis bien content, comme moi, souterrain, nous demandons, mais nous connaissons SOPIA. C'est SOPIA, c'est Standard Operation Procedure. Lors d'un cas de prise d'otage, le premier objectif du gouvernement ou du pays, c'est la vie des otages. Maintenant, par quelle méthode, comment sont leurs questions? Dans le dernier texte publié, moi, fait un tour d'horizon sur les options doctrinales de certains pays sur la question. Par exemple, la Russie dit zéro tolérance. Depuis son monde qui fait prise d'otage sur le territoire, l'a tué tout ravisseur. Même si ça mettait la vie otage en danger, pas pour garantie. Donc, ça n'a pas fait sur le territoire lui-même. C'est la Russie. La France, moi-même, le monde des mondes qui prennent l'otage, premier objectif, moi, c'est la vie mondiale. Il n'y a pas de qui méthode. Mais ça, en constance, car la France, leur fait des prises d'otages sur les citoyens qui concernent elle, là pour l'école, la baille doucement jusqu'à se libérer otage. Mais elle baille nous jambes, même si ça prend un an, 10 ans, la marche sur quand même. Son ligne doctrinale. Donc, la France ne peut pas parler, si la baille rançon, s'il ne peut pas baille rançon, il ne peut pas parler de baille comme ça. Méthode que le bras l'utiliser pour permettre de sauver la vie mounio, il n'y a pas parlé de lui. Les États-Unis ont pris de position publique sous question ça. Nous, pas bail ravisseur l'argent. Ils n'ont pas négocié. Okay. Mais ils ont l'autre objectif tout. Faut que vous sauvez la vie monde. Donc, qui va le faire? Est-ce que vous allez utiliser la force? Ou bien est-ce que vous allez utiliser des filières souterraines pour résoudre le problème? Non. Toujours est-il que par rapport à l'indoctrinal doctrinale, ça, il n'y a pas qu'à deux, il va le négocier. Parce qu'il tape tout dans des ordres énormes, là, quand il connaît, et vous êtes ça fait, il adopter l'indoctrinal de conduite, ça. Pendant 10 jours, nous n'avons pas entendu parler de rien, du tout. Donc, c'est quand vous avez fait comprendre que les services secrets américains, pendant 10 jours, ont travaillé sur pour des prises d'otages, un bagage collectif, et puis, il n'y a pas aucun avancé. Ce n'est pas vrai. Brusquement, un matin, le 26 octobre, pas oublier que 3 jours après, le président Biden pralait dans G1. Ce n'est pas n'importe qui monde. D'ailleurs, qui soit remarqué, ou pas attendez ni FBI, ni CIA, ni Pentagon parler sous question, c'est le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis d'Amérique qui dit que les États-Unis prennent mesure pour libérer otage. Sans que un grand cheveu dans la tête n'ait pas tombé. Et toutes les options pour le faire sont sur la table. Même en utilisant les forces spéciales. C'est un mensonge. Ça ne se fait pas dans le métier. C'est ici que nous faisons ça. C'est ici que nous proposons 10 paroles pour nous faire une pression. Ça n'a pas fait en matière opérationnelle. L'opérationnel agit, parle ensuite. Ne parle jamais avant d'agir. Son principe clé. C'est quand vous,
exemple, parce que si otage dans même monde sont réalité, ou pas capable menacer un monde d'opération spéciale alors que le monde dans même, ça ne se fait pas. Ça pas fait dans métier même. Pas gain deux hypothèses. Première affirmation, les gens seront libérés. Pas gain un brin cheveux dans tête de cap tomber. Ou cap bay garantie ça seulement les monde finalement. Ou pas cap prendre chance bay li avant opérer. Un jour va l'opérer et puis un ravisseur tête puis varier et puis tirer dans monde. Donc ça dit en vient menti. À ce niveau-là, ça crivé, m'a bon ça crivé. Yo a décidé pour s'arrêter monter en opération ce qu'on appelle le faire croire. Parce que toute opération militaire, sécuritaire, les gars en face. Un, les renseignements, l'analyse des renseignements, la décision. La décision, la méthodologie d'application de la décision. Lorsqu'on applique la décision, le verrouillage. Ça veut dire que pour moi, nous finissons agir contre, il n'y a pas aucune possibilité de retourner sous position ou bien réagir. Et la dernière phase, c'est l'exploitation. L'exploitation, c'est le faire croire. C'est ce qu'on appelle dans la guerre la propagande. Qui s'organise, dit, qui a menti, qui a vérité, un petit mot sur vérité, un petit mot sur menti, mais pour faire croire à la population une chose. Qui gagne qui objectif, force sentir qu'on strong, qu'on pas de jouer. Que l'ordre ou bagaille ou qu'a fait pour moun qu'a pas vint tourner, vint attaquer encore. C'est ça l'objectif. Le faire quoi? C'est la propagande, c'est l'ordre à l'oué. Bagaille, monsieur Fea, il relevé d'un début de propagande. Pour qui ça? Président Joe Biden pralé dans G20, ligue nan, ça relé arrière couli. Un président qui a assassiné dans chambre la gaille, son bail extrêmement grave. Ensuite, un état qui ont des ordres généralisés là-dedans, quand il y a kidnappé les gens, il y a tué les gens, bandit ses chefs, etc. Et puis ça a provoqué un pile émigré à venir la caille, il n'y a pas de bagaille qui était passé en bas pour moi. Donc, il prend le GV avec tout le monde. Donc, il a fait une opération, il a fait assurer de sécurité. On a montré une campagne pour montrer monsieur qu'il a une capacité pour le maîtriser l'espace côté de l'île, il a mis l'autre la caille. Maintenant, bagaille, il y a un côté où on est. L'on fait bas sur mon côté, il y a les Français, ils se mêlent les pinceaux. La première déclaration a fait faite. Le lendemain, madame dit, mais c'est pas possible, ça va passer les États-Unis là. Je sorti un article qui est juste que n'importe qui milite à travers le monde a dit, sorti à pas comme ça, ou bien si sorti à t'as ça, ou un mensonge quelque part. Et moi, sûr, même Jean-Laurent, président Trump, tu as dit qu'il va déployer les militaires américains sur le territoire américain. Même quand il dit là, je connais, ce n'est pas possible. Et je connais le Pentagone qui a réagi. Et comme le fait, le secrétaire d'État américain réagit, il dit que les troupes américaines ne sont pas là pour ça. Et c'est une disposition de la Constitution des États-Unis. Donc, ça, il dit, pas ça, pas comme ça. Mais si il dit, il a une raison, frère. Maintenant, je suis sûr, vous parlez, ouais. Deux niveaux de communication, M. Vin dit ça le matin. Le analyse bon sorti, ou vin d'année, ou fille, porte-parole de la Maison Blanche, qui vient nous, oui, et les États-Unis pour aller pliquer en Haïti, pour faire des opérations, pour aller convoyer gasoline. C'est ça que le monde a déballé. Le système de communication de la Maison Blanche a été rappelé à l'ordre et a déraillé. Parce que vous avez compris pour utiliser des soldats américains pour venir convoyer gasoline, pas Washman. Donc, il y a eu un tempo après 7 de faute. Le président Biden est parti au G20. Donc, moi, je me suis parlé de Biden encore. Mais ça ne veut pas dire que le problème n'a pas existé. Ils sont verrus, ils sont soufflés au visage des États-Unis. Donc, il y a des bagages qui sont obligés. Les gens ont déjà été libérés. Point. Tout le monde là, c'est Hollywood, film, cinéma. Parce que leur film fait faute là, qu'on y a, ils sont obligés de parler sous lui. Qu'on y a, ils sont obligés de vindi, c'est ça l'exploitation, ils sont obligés de faire quoi. Mais affirmer que c'est blague. Théâtre, ça veut dire blague. Ça veut dire pas comme ça. Ça veut dire pas comme ça. Les États-Unis d'Amérique, tu as gagné 10, 16 citoyens américains que tu prends là, qui étaient pendant 2 mois. De quelques plaisantins que les 400 marocains ont écouté. Donc, pour qui ça a été dans l'unité de tourner là-haut? Si le monde fait des ordres, c'est tout le temps pas un grand monde dans la croix.
grand monde qui distingue le bien et du mal, et qui connaît le bagage la mal, il fait pour mettre l'autre là-dedans. Et ça va passer là, tout simplement. Tout le bagage va passer, par exemple, quand tu prends la chaîne de communication qui est faite, on m'a enlevé, près de deux mois, il est arrivé sous 45 jours, ou bien New York Times, qui a sorti liste par l'accusation. Tout le monde dit, c'est que le monde a une information en Haïti. Tout le monde dit, tout le monde dit. Mais il n'a pas levé deal au matin parce qu'il a envie de parler. Il a gagné un objectif. Parce que là, c'est à ça que sert la parole. La parole sert à te à avoir un comportement en fonction de ce qu'on te fait croire. C'est dans son coin qu'on peut agir, qu'on peut avoir une pulsion, qu'on peut avoir un désir, qu'on peut avoir une action. Maintenant, yo koun dia yo di bagay sa k pase la fòk yo fè on bagay c'est nan faz sa yo pou yo fè on bagay yo commencé gòn list New York Times sorti le lendemain Washington Post sorti donc ou gòn succession d'intervention menace ce que l'on ne fait pas dans le métier vous n'êtes pas sincère quand vous menacez parce que quand vous menacez vous êtes obligé d'agir parce que son engagement public qu'on prend. Donc, si vous n'avez pas agi en fonction de menaces ou de vous avez de nombreux attentes, j'analyse des dits et des faits. Moi, je connais le seul fait que vous avez de monde, que vous kidnappez qui n'a de monde, il y a un couloir de communication et d'action obligé de faire entre deux entités. Mm-hmm. Donc, si vous arrivez libéré, quel que soit l'air libéré, c'est que vous avez un circuit de nous battons d'action. Si nous battons d'action, c'est que il y a une communication. Ils viennent dire, pas eux même, non, par le gouvernement américain quand même. CNN dit, oui, il y a un cop qui va, mais pas tout cop qui va demander. Ou pas une communication, pas venir au seul coup. Ou pas, c'est pas petit bout, il y a un bon petit bout de bail, un petit bout de bail demain. Il y a une stratégie en communication qui a décidé, ok, qu'on y en a dit ça, qu'on y en a dit ça. Mais ça, que vous connaissez, chaque bagage vous dit, divine un engagement pour vous. Parce que c'est pas le wabdi qui a privé dans les oreilles tout le monde. C'est ça qui a mené les États-Unis, je vous dis, dans une situation où un devoir de réaction. Ils sont obligés de faire un bagaille. Maintenant, qui ça nous va faire? Comment nous va faire? Qui coule à gagner? Qui conséquence la gagner? Parce que pas oublier que ni les États-Unis ont deux rendez-vous politiques majeurs. Il y a des élections de mi-mandat aux États-Unis pour renouveler le Congrès américain. C'est une opération extrêmement importante du point de vue politique pour le président Joe Biden. Il y a aussi le désir de réaliser des élections en Haïti. Mm-hmm. Qui viennent une obligation pour qu'on sortir de bagarre là. Maintenant, qui infrastructure d'action ou de communication pour arriver à cela, sont l'autre question. Maintenant, ou pas cap enclencher le processus électoral en Haïti, sous pas résoudre petit problème politique qui la cap, qui beaucoup fin clair, et sous pas résoudre la question majeure de la sécurité. Donc c'est ça fort, ouais. Je dis que il faut que la sécurité soit rétablie, et c'est vrai, c'est une condition sine qua non pour qu'à priver sous chapitre élection. Donc deux acteurs, tant les États-Unis que Haïti, en deux contraintes ça. Qui gère par le temps, maintenant il y a une question de méthode et de moyens. Et c'est là où je veux dire.